l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes les choses. Tu étais, tu es et tu seras l'agneau de Dieu qui est dit de ma louange. L'agneau de Dieu qui est dit de ma louange. L'agneau de Dieu qui est dit. Béni du ciel sur la terre, me réconciliant avec le Père, en pâtissant de plein de grâce, afin que je vive devant sa face. Béni du ciel et sur la terre, me réconciliant avec le Père, en pâtissant et plein de grâce, afin que je vive devant sa face. Oh, oh, oh. Par ta mort, moi j'ai la vie, par ta vie, moi j'ai la grâce, car ton sang m'a racheté de la mort et du péché. Par ta mort, moi j'ai la vie, par ta vie, moi j'ai la grâce, car ton sang m'a racheté de la mort et du péché. Oh, oh, oh. Ta grâce dans ma vie surabonde, lorsqu'à moi ton amour déborde, qui m'introduise dans ta plénitude, quand m'apparaît ton attitude. Ta grâce dans ma vie surabonde, lorsqu'à moi ton amour déborde, qui m'introduise dans ta plénitude, quand m'apparaît ton attitude. Oh, 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 oh. Tu étais avant le monde, tu as vécu dans ces mondes, tu seras après les mondes, ton règne est éternel. Tu étais avant le monde, tu as vécu dans ces mondes, tu seras après les mondes, ton règne est éternel. Alléluia, 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 ton règne est éternel. Alléluia, 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 ton règne est éternel. Oh, ton règne est éternel, ton règne est éternel. Est éternel. Alléluia. Non, ton amen là est faible. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Amen. Un amen vigoureux. Amen. Amen. Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, soyez le bienvenu une fois de plus ce soir dans la présence du Saint-Esprit. Nous nous retrouvons encore ce soir, inopinément, c'est moi qui conduis le programme, parce que l'homme de Dieu est empêché, il est encore en route, au volant, le temps d'arriver, ça va être un peu compliqué avec le vent, les temps qui se passent. Il était en déplacement, mais il faisait tout de son mieux pour pouvoir être là. Il s'en excuse, voilà pourquoi je suis là parmi nous et je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient notre partage. Nous voulons continuer ensemble, alléluia, à voir, j'espère que tu es là, tu es content de me voir. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse encore et encore.
Merci Seigneur de nous accepter, Seigneur, dans ta présence. Heureux celui que tu admets et que tu acceptes dans ta présence, Seigneur. Nous voulons contempler les merveilles dans ta loi et dans ta gloire. Jésus, oh, 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 oh. Yahweh, Yahweh. Alléluia. L'honneur, la gloire, la majesté à toi. L'honneur, la gloire, la majesté à toi. Fils, tout ce qui est à moi, c'est à toi. Alléluia. Tu n'as qu'à comprendre que non, tu es l'héritier. Yes. Le testament est déjà là. Alléluia. Le testateur est en déjà mort. C'est-à-dire que le testament est rentré. Yes. Donc, alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu comprends qui tu es. Jésus a rétorqué à ces gens. La Bible dit, Jésus a regardé cette femme. Le regard du maître. Alléluia. Non, nous servons un Dieu qui se laisse toucher. Nous servons un Dieu qui se laisse pamper. Tu me dis, vous êtes la femme à la perte de ça. Nous sommes des monarchies. Cette femme ne fait que perdre du sang. La Bible dit, il a mis une forme dans le cœur. On suppose que c'était une femme avec des moyens, une femme riche. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue dans la présence du Saint-Esprit. Prenez ces instants pour pouvoir partager. Prenez ces instants pour pouvoir inviter les gens. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Là où tu es, prends ton bic, prends ton cahier. Nous voulons continuer. Je salue tout le monde. Toi qui te vois présent, je salue la sœur Emmanuela qui est en train de rentrer en ligne maintenant avec toute son équipe. Je te salue et je vous passe aussi toutes les bénédictions de l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel Ntouni. Bon, voilà, nous voulons continuer. Nous sommes en train, bien évidemment, de parler de reformer, reprogrammer sa destinée depuis sa prédestinée. Nous voulons reprogrammer notre destinée en fonction de notre prédestinée. Nous disons en fonction de ce qui a été décidé par Dieu, ce qui a été établi dans notre vie, ce que Dieu avait déjà prévu. Nous sommes dans le livre de Romains 8, à partir de verset 29, verset 30. Alors la Bible dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dieu a commencé par préparer ton avenir. Dieu a commencé par retracer le chemin pour toi. Dieu a commencé par préparer ton héritage afin de pouvoir t'appeler. Ce n'est qu'après cela, Dieu t'a appelé. Dieu t'appelle parce qu'il t'a aimé. Après t'avoir aimé, Dieu t'a élu, il t'a choisi et il t'a élu. Parce que lorsqu'on parle de la prédestination, on parle aussi de l'élection, c'est-à-dire la préscience de Dieu, le bon vouloir de Dieu. Dieu qui, dans son amour infini, choisit de nous élire parce qu'il nous aime sans condition. Alléluia. Amen, amen. Voilà, lorsque Dieu nous élise, après cela, la Bible dit, Dieu nous appelle. Il nous appelle là où il nous a fixé un grand programme, là où il nous a fixé un grand projet pour que nous puissions avancer avec lui. Dieu nous appelle, en nous appelant, il nous a donné une vision. Dieu nous donne une mission. Parce que voilà pourquoi moi ça m'étonne, bien de nous, nous pensons que la vision c'est notre vision. Ah, moi ma vision, non. Bien, lorsque tu es appelé par le Seigneur, la vision dont tu possèdes, c'est la vision de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Ce sont les orientations que Dieu te donne afin de pouvoir être utile pour les gens.
Nous voyons cet homme de Paul nous dira plus tard, les Saint-Esprit donne plusieurs dons, diversité de dons. À chacun de nous, un don est donné, mais pour l'utilité commune. Dieu nous appelle pour une mission donnée. Alors dans cette mission, Dieu nous donne la vision. La vision, c'est comment nous allons marcher. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est cela ce qui est écrit dans ces clauses. La convention que nous tissons avec Dieu. Mais dans cette clause, Dieu te donne un message. Quel est le message que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Nous allons y arriver. Alors, lorsque Dieu t'appelle, parce qu'il t'a appelé pour te confier la mission, en t'appelant, Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il te justifie. Après t'avoir justifié, Dieu te glorifie. Afin que tu puisses vivre, afin que tu puisses mener un ministère puissant. On a dit ce matin, ce qui a été déjà conclu depuis l'éternité, personne n'y a accès, sauf Dieu lui-même. Alors, dans ta destinée, les gens peuvent influencer ta destinée. Toi-même, tu peux compromettre ta destinée. Dieu aussi a le pouvoir. Mais c'est souvent toi-même qui compromet ta destinée. Alors, lorsque tu laisses la porte, les diables rentrent, les autres rentrent aussi, ton entourage, ton milieu professionnel, même l'église. Je parle dans ta paroisse, ton église locale, là où tu es. Les choses qui se passent dans l'église peuvent être susceptibles de jouer, de modifier, d'influencer ta destinée. Alléluia. Alors, maintenant, ce soir, j'aimerais qu'on passe quelques temps avant de rentrer dans la prière. Accordez-moi une demi-heure ou trois quarts d'heure pour que je puisse déposer dans nos esprits ce que Dieu m'a mis, qui est monté dans mon cœur. Comment faire pour vivre pleinement notre destinée? Que faire pour vivre normalement ou réellement notre destinée? Nous sommes en train de parler de notre destinée. Reprogrammer notre destinée, mais depuis la prédestinée. Je suis ici dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, dans le verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. On en a parlé dans la semaine. C'est Dieu qui nous a créés. Je vous ai parlé que Dieu nous a créés par le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole de vie. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je suis dans le livre des Jean à partir du verset 1. Chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'à 3. La Bible dit ceci, « Toutes choses ont été faites par elle. » Ou ont été faites par elle. Elle, c'est la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et cette vie était la lumière des hommes. Comprenez par cela que nous avons été créés en Jésus-Christ. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, créés en Jésus-Christ. Donc ici, là, Jésus est aussi à la fois le potier, c'est-à-dire le donneur de forme, le créateur. En même temps, il est la matière de la création. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Nous avons été créés en Jésus. D'autant plus que nous sommes créés dans le Seigneur, en lui on ne trouve que des bonnes choses. La Bible, nous avons été créés en Jésus par la matière qu'on appelle Jésus. Nous avons été créés pour lui, mais aussi pour des bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées à l'avance. Je t'avais dit que ta vie n'est pas en vain. Lorsque Dieu t'a appelé à l'existence, c'est pour que tu sois une bonne œuvre pour plusieurs personnes. C'est-à-dire que ta vie vaut la peine d'être vécue. Parce que tu es utile pour beaucoup de gens.
Tu es une solution, tu es une réponse pour plusieurs familles, pour plusieurs quartiers, pour plusieurs personnes, bien-aimées du ciel. Laisse-moi t'encourager. Ta vie est importante. Tu n'es pas n'importe qui. Lorsque tu te vois, considère-toi comme un élément indispensable dans la configuration du Saint-Esprit. Bien-aimés, je suis dans le livre de 1 Corinthiens 2. Je vais rapidement dans 1 Corinthiens 2, dans le verset 9. Alléluia. J'espère que quelqu'un est avec moi. Est-ce que tu as trouvé à la maison? 1 Corinthiens chapitre 2. J'aime beaucoup ce verset. La Bible a dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu a déjà tout préparé pour nous. Et ces choses-là, personne ne l'a vu. Personne ne peut avoir accès, sauf Dieu lui-même. Alléluia. Amen, amen. Alors, maintenant, je suis en train d'expliquer à une personne que Dieu, dans l'éternité, a déjà prévu toutes choses pour ton bien. Il a dit, Dieu a préparé des bonnes choses pour que tu vives bien, afin que tu le pratiques, afin que tu expérimentes ces choses. Mais que faire pour expérimenter ces choses? Que faire pour vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour toi depuis l'éternité? Il y a quelques jours, j'ai essayé de dire à une personne, la vie que tu mènes, peut-être ce n'est pas cette vie-là que tu as été destinée ou prédestinée. Si tu as la révélation que c'est ça ta vie, telle est ta vie, gloire au Seigneur. Mais si ce n'est pas le cas, donc cette session de prière vaut la peine. Voilà pourquoi tu dois t'élever et pouvoir recourir au Seigneur. Alors nous allons parcourir pendant quelques temps, quelques éléments, quelques pistes, alléluia, que le Saint-Esprit nous donne à partager et à compléter comme des éléments pour que nous puissions vivre pleinement ce qui avait été écrit. C'est-à-dire vivre pleinement notre destinée. Je te dis dans la semaine ici, l'urgence de connaître les raisons de son existence. Il est très urgent, cette urgence s'impose. Il est vraiment important de savoir pourquoi tu vis, le but de ta vie. Tu peux te poser des questions, pourquoi suis-je né? Oui, si c'est dans une famille, pourquoi suis-je né dans cette famille? Mais pourquoi je fais ce travail? Pourquoi j'ai tel enfant et tel enfant? Pourquoi Dieu m'a donné un tel mari ou une telle femme? Parce que tout en nous, il y a un but. Dieu fait toutes choses avec un but pour nous. Ton mariage est la solution pour plusieurs futurs mariés ou encore pour plusieurs mariages en difficulté. Ta vie, ta patience, ta manière d'être, ta grandeur de taille, ta petitesse de taille, ta grosseur, ta minceur, vaut la peine. Parce que c'est une délivrance pour quelqu'un d'autre. Alléluia. On a parlé de la régénération. Encore ce matin, en évoquant l'histoire du docteur Nicodème. Bien-aimé, il est très important de naître de nouveau. Si tu veux vivre réellement, selon la pensée de Dieu. La Bible a dit, ces choses-là ont été préparées uniquement pour des personnes que Dieu aime. Dieu t'a appelé parce qu'il t'a aimé. Mais dans le présent, tu es appelé à rentrer dans cette vie de foi. Parce que la Bible a dit, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Personne n'est agréable à Dieu. Tu dois devoir naître de nouveau, naître de l'eau et de l'esprit, non simplement pour voir, mais aussi pour avoir accès à cette vie. C'est-à-dire, que faire pour que je puisse être rétabli dans ma destinée? Tu avais déjà été établi. Mais la vie a fait que tu as été influencé. Ta destinée a été compromise, a été dérangée, a été dérobée. Qu'est-ce que tu dois faire pour retourner?
naître de nouveau, bien-aimés. Parfois, nous sommes dans l'église, mais nous ne sommes pas nés de nouveau. Nous ne sommes pas réellement convertis. Nous vivons encore comme si nous étions des païens. Nous vivons encore comme si nous étions dans le monde. Je suis en train d'encourager une personne de revoir sa relation avec le Christ. Essayez de revoir ta position avec le Seigneur. Très souvent, nous n'aimons plus ce genre de messages. Mais pour aller plus loin, il va falloir comprendre ces choses. Je te dis, troisièmement, il faut chercher à découvrir ton appel. Il est important de savoir, de connaître son appel. Parce que son appel te permettra justement de savoir qu'est-ce que tu dois faire pour Dieu. Et vers quel genre de personne tu iras. Le travail que tu dois faire pour Dieu correspondra à l'appel que Dieu te donnera. Lorsque tu découvres les dons qui sont en toi, tu seras bien aimé capable de réaliser les projets de Dieu dans ta vie. Parfois, nous souffrons parce que nous n'arrivons pas à rentrer réellement dans ce pourquoi Dieu nous a prédestinés. Dans quelle mission, dans quel domaine. Nous sommes parfois là où nous ne pouvons pas être, comme avait dit hier Maman Philippa, dans la géolocalisation. Nous faisons peut-être des ministères qui ne correspondent pas avec ce que nous avions déjà depuis l'éternité. Parce que nous voyons tout le monde faire et nous voulons faire comme. Ici, il n'est pas question de plaire aux hommes, mais c'est plutôt de plaire à Dieu. Après avoir découvert, bien aimé, son appel, il faut faire un effort de pouvoir vivre la proximité avec le Saint-Esprit. Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous apprendre. Mais je ne sais pas si vous serez en mesure de le supporter. Voilà pourquoi il vous est avantagé que je m'en aille, afin que l'Esprit, mon Esprit, le Saint-Esprit, vienne vous conduire dans toute la vérité. Nous devons nous accrocher, vivre à la proximité du Saint-Esprit. Mais pour pouvoir avoir accès dans ce qui est caché, dans ce qui est céleste, c'est-à-dire notre prédestiné, ce qui avait été tracé au préalable pour notre vie, nous avons besoin de vivre à la proximité avec le Saint-Esprit. Alléluia. J'espère que tu es d'accord avec moi. Zacharie 4 au verset 6 dit ceci, « Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais tout est par mon esprit. C'est par mon esprit que les choses sont rendues faciles et palpables. Nous n'avons pas besoin des armées. Nous n'avons pas besoin d'appliquer la force. Mais il y a des choses qui coulent douces. Parce que le Saint-Esprit vient et il nous dirige, il nous conduit dans toute la vérité. Il nous aide à sonder les profondeurs de Dieu. Là où aucun démon, là où aucune principauté, ni autorité, même ni domination, ne pourra avoir accès. Mais le Saint-Esprit te permettra d'avoir, d'y entrer pour avoir accès. Voilà pourquoi tu dois faire de lui tes délices. Psaume 37, verset 4 dit que « Faites de l'Éternel tes délices et il accomplira les désirs de ton cœur. » Si Jésus devient ce qui est succulent, ce qui est tasty, comme on dit en anglais, ce qui est digérable, ce qui possède et remplit ton cœur, lorsqu'il se retrouve en toi, il accomplit automatiquement les désirs de ton cœur. Je suis en train de bénir une personne. Je suis en train de révolutionner une personne. Si tu vas encore plus loin, dans Jérémie 33, au verset 3, la Bible dit que nous devons l'invoquer. Quand tu invoques les saints,
Saint-Esprit, qu'est-ce que lui fait? Il te révèle des réalités cachées. Il faut l'invoquer. Alléluia. Rako Satara Baba Baba. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Tu as besoin de l'invoquer. C'est lui qui viendra te révéler des choses qui ne, que tu ne connais pas, des choses qui n'ont, que l'oreille n'a pas entendu, ni les yeux n'ont pas vu, mais qui ne sont même pas montées dans les cœurs d'un homme, mais qui sont préparées d'avance pour une bonne œuvre. Voilà pourquoi tu as besoin de vivre à la proximité du Saint-Esprit. C'est très important, bien-aimé. Aujourd'hui, nous négligeons notre intimité avec le Saint-Esprit. C'est lui le guide par excellence que le Seigneur nous avait laissé. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit de la création. C'est l'Esprit éternel. Il a toujours été dès le commencement. C'est lui qui est avec nous aujourd'hui. C'est lui qui guide nos pas. C'est lui qui nous conduit. Lorsque tu développes, tu restes dans la proximité du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit va te conduire, bien-aimé du ciel, à pouvoir se focaliser en Christ Jésus. Je t'ai dit tout à l'heure, Jésus-Christ est le potier. C'est lui le créateur. Souvenez-vous de Bartimée. Bartimée se sent retrouvé devant son créateur. C'est lui qui fait toutes choses en tout. C'est lui qui est capable de tout. C'est lui qui était capable, il a dit non, je suis devant celui qui soit capable de tout changer, de changer mon existence, de me redonner encore la vie. Bien, mais tu as besoin de la reprogrammation de ta destinée. Tu as besoin de te focaliser au Saint-Esprit. Focalise-toi à Jésus. Et l'Esprit de Christ va t'aider à te concentrer. Parce que au plus que tu as tes yeux fixés à Jésus-Christ, au plus que tu manifestes sa vie, je ne sais pas si tu me comprends. Alléluia. Lui qui est le potier, il est à la fois la matière de la création. Il te donne la forme qu'il veut. C'est lui qui te façonne. Il te donne une certaine forme selon son bon vouloir. C'est lui le patron. C'est lui le maître. C'est lui qui dirige à toutes choses. C'est lui qui contrôle tout, bien-aimé. Alléluia. Amen, amen. C'est très important, bien-aimé, de comprendre ces choses. Très, très, très important. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. La Rako Satan Baba Chande. Vous savez, le but de notre mission, c'est pour que nous soyons utiles pour les autres. Jésus-Christ qui a été sacrifié, le but de sa vie, c'était le salut de l'humanité. Et le but de, ta vie, c'est que tu sois le salut pour plusieurs. Il est important de savoir pourquoi je vis. Il faut faire un effort de découvrir et de discerner l'importance de ta vie. La mission pour laquelle le Saint-Esprit t'a appelé. Parce que c'est lui, en fait, qui va t'aider à voir tout le temps la pensée de Christ. Pour pouvoir discerner la mission, pour pouvoir décortiquer, savoir la mission, tu as besoin de cette connexion avec le Saint-Esprit. Chaque matin, à chaque fois, toute la journée, il t'aidera à discerner ta mission. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Lorsque le Saint-Esprit te brise, il te donnera l'humilité. Parce qu'avec l'esprit d'humilité, tu n'auras pas le sentiment de supériorité aux autres. Mais tu marcheras dans la crainte du Seigneur.
Le Saint-Esprit qui est là, l'Esprit de l'Éternel, il a toujours été dès le commencement. La Bible dit, au commencement, il se mouvait sur la surface des eaux. Il est toujours là. C'est encore aujourd'hui, lui, qui dispatche les dons. La Bible dit, un seul Esprit et la diversité des dons. La Bible a dit, 1 Corinthiens 12, verset 11. Vous pouvez lire aussi verset 4. Un seul et même esprit distribue des dons à qui il veut. C'est important. Je t'ai dit que parfois nous nous tournons autour du pot parce que nous ne connaissons pas réellement quel est l'appel, quelle est l'attente de Dieu dans nos vies. Tu es appelé, bien-aimé, pour que beaucoup soient sauvés au travers de ton ministère. Jean 3, verset 27, la Bible dit quoi? Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais au contraire, pour que le monde soit sauvé par lui. Christ est le projet de Dieu pour l'humanité. Le salut de l'humanité. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait cette vie en abondance. Pendant que beaucoup sont encore dans des cabarets, dans des cabanes de la prostitution, dans des couloirs, des ruelles pour dealer les drogues. Mais Christ a déjà été à la croix. Dieu avait déjà envoyé Jésus-Christ à la croix. Mais lorsque tu marches, il faut comprendre l'importance qui est attachée. L'appel de Dieu qui est attaché à ton ministère, à ta vie. Il y a encore des prostituées qui sont là. Il y a encore des drogués. Il y a encore des toxicomanes. Il y a encore beaucoup de choses. Beaucoup de gens qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Et ils ont besoin d'être sauvés. Tu rentreras certainement pleinement dans ton élément, dans ta destinée, à partir du moment où tu as la révélation de l'attente de Dieu dans ta vie. C'est vrai que Dieu impartit par le Saint-Esprit beaucoup de dons. Si tu lis dans le livre de Romains 12, au verset 6, la Bible dit ceci, nous recevons tous, il y a beaucoup de différents dons, mais qui sont répartis dans les hommes, selon la mesure de grâce. Beaucoup de dons que les gens reçoivent, mais selon la mesure de grâce. Le Saint-Esprit accorde des dons, selon la mesure de grâce répartie pour chacun de nous. Voilà pourquoi il a dit ceci. Que celui ou celle qui reçoit les dons de la prophétie prophétise selon la proportion, selon la mesure de la foi qu'il peut recevoir. Bien-aimé, que faire pour vivre pleinement sa destinée? Que faire pour être établi pleinement dans sa destinée? Il faut se focaliser à celui qui soit capable de restaurer ta destinée. C'est lui qui connaît ce qu'il avait déjà écrit dès la fondation du monde, bien avant que tu sois mis dans le sein de ta mère. Comment veux-tu avoir la révélation de ces choses alors que tu es loin? Or, la Bible dit qu'il ne reste point les pécheurs. Tu dois lui être consacré. Tu veux que les choses changent. Mais essaye de t'attacher aussi à la vie de sanctification. Essaye de t'accrocher aussi à cette vie de sanctification, bien-aimé du ciel. Je croyais que quelqu'un me comprenait. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Laisse que le Seigneur te bénisse. Amen, 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 amen. Que le Seigneur te bénisse. Je prie vraiment que tu sois visité encore pendant cette saison. Il nous reste encore, bien évidemment, bien-aimé du ciel, 4 jours. Nous sommes là. Nous voulons que notre Dieu se manifeste.
que tu te visites. J'aimerais que nous prions ce soir. Accorde-moi encore une dizaine ou une quinzaine de minutes que je puisse libérer tout ce qui est dans mon cœur. Par la mesure de grâce que le Saint-Esprit m'accorde ce soir. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, commence à prier le Seigneur. Dis, Seigneur, restaure mon cœur. Donne-moi l'amour de pouvoir m'attacher à toi. Donne-moi la force de pouvoir me consacrer à toi. Alléluia. La rama chande le beka. Lindu muskanta rama chande le beya chalawama. Renda baya barabas kanto romo shita la vre. Souvent nous marchons, nous conduisons notre vie, nous laissons le Seigneur de côté. Nous oublions que le Seigneur est là. Nous abandonnons Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, pour finir mon message, avant que nous puissions rentrer dans la prière, parce que nous voulons prier encore ce soir. J'aimerais que nous observions encore quelques conseils essentiels ou quelques étapes essentielles pour que nous puissions être établis dans notre destinée. Vous savez, nous avons besoin d'avoir une direction claire. Tu peux noter une direction claire. Nous avons besoin d'avoir une direction claire pour le but de notre vie. Quand tu as une direction claire, tu comprendras l'essence, c'est-à-dire le moteur, le but de ta venue sur terre. Romains 8 au verset 14. Romains 8 au verset 14, j'ai parlé d'avoir une direction claire du but de ta vie. Pour comprendre cela, nous pouvons lire Romains 8 au verset 14, bien-aimé. Si tu es plus rapide pour, chez toi à la maison, tu peux le lire rapidement. Nous sommes dans le livre de Romains 8 au verset 14. La Bible dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bien-aimés, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont déclarés fils de Dieu. Romains 8 au verset 14. C'est le Saint-Esprit qui vient te conduire dans toute la vérité. Il vient te conduire dans la profondeur de la parole, dans la révélation de la parole. Il vient révéler en toi, dans ta vie, des réalités cachées, des choses que tu n'as jamais vues, tu n'as jamais entendues, même des choses qui ne sont point montées dans ton cœur. C'est lui qui te relève. Il est pour toi la boussole. Il vient pour tenir à la main, il te conduit. Bien-aimé, je t'ai dit tout à l'heure, lorsque tu vis dans la proximité avec le Saint-Esprit, tu auras cette vision claire. La direction claire, c'est le Saint-Esprit qui te montre le chemin. C'est lui qui est devant toi, alléluia, c'est lui qui te dirige, c'est lui qui est ton directeur. Amen, amen. Amen. Tu as besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit pour toi une boussole qui te montre le chemin, par où passer, par où commencer, par où s'arrêter. Alléluia. Il est vraiment important que tu comprennes ces choses. Car ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Être conduit, c'est-à-dire qui est ton conducteur, qui te dirige, qui te donne des ordres. Nous échouons parce que nous voulons prendre notre propre direction. Alors que Dieu a déjà prévu une direction pour nous depuis l'éternité. Nous tournons en rond parce que nous ne regardons pas à la direction du Père. Pour saisir la direction du Saint-Esprit, nous devons avoir recours à lui.
Nous devons l'invoquer, l'interroger. Nous devons nous laisser guider par cet esprit. Alléluia. Je suis en train de récapituler mon message de tous ces jours. Comment bien vivre sa destinée ou vivre pleinement sa destinée. Tu as besoin du Saint-Esprit. Bien aimé, une des clés pour bien vivre sa destinée, c'est que tu dois savoir qui tu es en fait. Qui suis-je? C'est la question que tu dois te poser très souvent. Qui suis-je? Moi, ma bonjour. Qui suis-je? Qui est-ce que j'ai comme enfant? Qui est-ce que j'ai comme femme, comme mari? Qui est-ce que j'ai comme travail? Qu'est-ce que je fréquente comme église? Qui est dans mon entourage? Alléluia. Amen, amen. Un autre élément, c'est ton travail de tous les jours. Ouais. Ton travail de tous les jours. Dans le séculier, tu peux être médecin, tu peux être professeur de l'université, tu peux être professeur de philosophie, de français, de langue, tu peux être comptable, tu peux être avocat, tu peux être militaire, je ne sais pas, mécanicien. Forgeron, tu peux être un homme ou une femme d'affaires, tu peux être dans l'armée, peu importe ta profession. Mais je voulais te dire que ton travail est la clé. Ton travail est une des clés pour laquelle tu es né, pour que tu sois là. Pourquoi? Parce que ton travail t'aidera à accomplir la vision de Dieu. Je ne sais pas si tu me comprends. Amen. Ton travail t'aidera à soutenir l'Église. Ton travail t'aidera à soutenir ceux qui n'ont pas, le pauvre. Ton travail t'aidera à faire, à organiser, à réaliser des bonnes œuvres. Amen, amen. Alléluia. Mais sachez que lorsque Dieu te donne une vision, c'est-à-dire que Dieu te donne une mission, parce que dans la mission que Dieu te donne, cela comprend la vision de Dieu et le message de Dieu. Et ce que tu dois savoir, Dieu ne te laissera jamais tranquille jusqu'à ce que tu rentres pleinement dans la mission pour laquelle tu as été prédestiné. Tu peux beau fuir, comme Moïse. Tu peux fuir la mission, comme Jonas. Qui sais-je encore? Ils sont nombreux dans la Bible qui ont fui la vision. Mais laisse-moi te dire, la vision finit toujours par te rattraper. Alléluia. Dieu ne te laissera jamais tranquille jusqu'à ce que tu aies accompli la chose pour laquelle tu as été envoyé. Ça peut être aussi un des éléments. Écoutez-moi bien. Nous sommes dans des pistes parce que nous sommes en train de parler de reprogrammer notre destinée à partir de notre prédestinée. Mais pour que nous puissions avoir accès à ce qui est écrit, nous avons besoin de rester en connexion avec le Saint-Esprit. Parce que Jésus nous a laissé léguer le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous conduise dans la profondeur de la connaissance. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous aide à sonder la profondeur de Dieu. Tant que tu ne comprends pas ta mission, tant que tu ne comprends pas les raisons, j'ai dit au pluriel, les raisons de ton existence, Dieu continuera à t'embêter. Ah oui, bien aimé, Dieu est capable de rendre. N'est-ce pas Dieu qui a rendu beaucoup de personnes stériles dans la Bible? Dieu est capable de compromettre ta destinée jusqu'à ce que tu reviennes à lui. Mais Dieu a compliqué la vie de Jonas.
jusqu'à ce que Jonas s'est désigné. Il s'est résigné lui-même. Il a dit, écoute, je vais arrêter de fuir. Prenez-moi, jetez-moi dans l'eau. Non, j'ai compris que les gens vont périr. La cargaison commençait, on commençait à jeter des choses dans la mer. Parce que les navires allaient chambrer, allaient naufrager. Jonas a dit, non, je préfère me sacrifier pour épargner les vies humaines. Il a dit, c'est moi le responsable. Parce que pendant ce moment-là, chacun consultait son Dieu. Mais Jonas était tranquille en train de dormir. Il a dit, dans le sang, c'est toi là. Les gens là sont en train de prier et chercher, de faire des incantations, des imprécations. Chacun cherche son Dieu. Toi, tu es en train de dormir. Toi, tu dois connaître quelque chose, tu es suspect. Voilà pourquoi, bien aimé, parfois dans nos églises, il faut suspecter les gens. Quoique l'amour ne suspecte point. Alléluia. Mais il y a beaucoup de gens qui nous donnent ce sentiment bizarre par leurs attitudes. Tu peux offrir la vision, la mission comme Jonas. Mais cette mission finira par te rattraper. Amen. C'est très important. Alors, un autre élément pour bien vivre ta destinée, bien-aimé, tu dois savoir ce que Dieu attend de toi réellement. Lorsque Dieu a appelé Moïse, écoutez-moi, je vais lentement. Lorsque Dieu a appelé Moïse, Dieu avait donné une parole à Moïse. Dieu avait donné un message à Moïse et la mission. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Dans ton contrat, dans ton alliance avec Dieu, Dieu t'envoie toujours vers un peuple donné. Sur un coin spécifique ou dans un coin spécifique. Un coin particulier. Où tu dois régner, où tu dois dominer, où tu dois conduire. Il a dit à Moïse, va vers ce peuple. Va dire à Pharaon de libérer mon fils, mon premier-né, Israël. Pourquoi Dieu a donné aussi la raison? Pour qu'il aille me servir dans le désert. Pour qu'il aille m'adorer. Alléluia. Amen. Oui, mais s'il me pose la question de savoir comment il s'appelle, comment tu t'appelles? Je suis et mon nom. Alors toi, tu es un apôtre. Toi, tu es un pasteur. Tu es un évangéliste, un prophète, un docteur. Soit, bref. Toi, tu es, un responsable d'une paroisse. Tu conduis une vision, une mission de Dieu, une église ou une bergerie. Mais quel est le message que Dieu t'avait donné? Qu'est-ce que Dieu attend réellement de toi? C'est quoi la vision de Dieu par rapport à cela? Ce n'est pas ta vision, c'est la vision de Dieu. La vision de Dieu est incorporée dans la mission que Dieu te donne. La vision, c'est tous les éléments, tous les objectifs, tous les moyens qui doivent être mis en place pour pouvoir accomplir cette mission. La mission que Dieu nous donne dans cette nouvelle alliance, c'est d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Mais maintenant, les objectifs, la vision, c'est différent. Il y a ceux qui sont évangélistes. Ils ont leur mission spécifique. Il y a ceux qui sont pasteurs. Il y a ceux qui sont prophètes. Chacun a sa particularité. Tu dis que tu as été appelé. Oui, personne ne te conteste. Personne ne te dit non. Nous sommes d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit réellement?
Quel message que Dieu t'a donné par rapport à son peuple? Je parle d'un message précis et particulier. Moïse, va, libère mon peuple. Dis à Pharaon de laisser partir mon fils. Pour qu'il aille m'adorer. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Vers quel peuple Dieu t'a envoyé? C'est ça la question, bien-aimé. Restons dans les contextes bibliques. Nous sommes en train de parler de reprogrammer notre destinée. Oui, la question ce soir, que faire pour vivre pleinement sa destinée dans le Seigneur? Alléluia. Vous voyez, depuis que je parle ici, moi je ne parle pas du diable. Depuis que je parle ici, je ne parle pas des éléments du diable. Je ne parle pas de ses acolytes, mais je parle de toi et de moi. Le diable n'a pas accès dans ta vie si tu ne lui ouvres pas la porte ou les portes. Tu dois savoir tes dispositions vis-à-vis du Seigneur. Dieu t'a donné un cœur. Ce cœur doit être à la fois la porte et le portier. Le cœur que Dieu te donne doit être capable de fermer ta vie par rapport au péché, par rapport aux choses extérieures. Parce qu'une fois que la porte s'ouvre, l'ennemi vient. Figure-toi, depuis que tu pries, depuis que tu fais la chasse aux démons, combien de démons sont sortis de ton corps? Et tu ne sais pas combien de milliers de démons qui aspirent à retourner dans leur maison. Amen, amen. Bien-aimé, un autre élément. Lorsque tu as la vision, tu as compris la vision. C'est-à-dire, tu as accepté la mission de Dieu. Et tu as mis en place la vision que Dieu t'a donnée pour pouvoir accomplir cette mission ou mener à bien cette mission. Bien-aimé, tu vivras en fonction de cette vision. Tu dois te consacrer entièrement à cette vision. La vision t'aidera à survivre. Cette vision t'aidera à aller plus loin. La vision que tu reçois là te permettra à poursuivre la mission de Dieu. Il faut savoir chérir la vision. Il faut savoir protéger la vision. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut veiller à ce que cette vision soit claire. C'est-à-dire que cette vision ait une conception claire. Ça doit être bien élaboré, bien structuré, bien écrit. Et autour de cette vision, toi-même le visionnaire ou la personne à qui Dieu a communiqué cette vision, tu dois être bien entouré. Écoutez-moi très bien. Il y a peut-être des leaders qui nous suivent ou des leaders à venir. Il faut bien s'entourer dans ta vision. Je ne vous parle pas d'une autre personne, je ne vous parle de moi-même en route. À plusieurs fois, j'ai été mal entouré. Il ne faut pas aller chercher les diables partout. On ne fait pas ça pour pas d'un. Mais nous parlons de la proximité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous aidera à prendre les bonnes décisions. Notre destinée est question de choix et des décisions que nous prenons. Dans la vision que tu reçois, tu l'élabores, tu le planifies, tu dois l'écrire, la vision c'est comme la prophétie. Ce qui a été fait toujours par s'accomplir. On l'écrit, on la lit, on l'écrit sur le mur dans les cahiers. Il faut savoir partager cette vision avec ses enfants. Regardez ce que Dieu attend de nous. Nous voulons aller le plus loin possible. Nous voulons vivre. Elle a dit des choses pour toi aussi.
veillait sur la maison. Il faut bien la nourrir. Ça veut dire qu'il faut l'ajuster. Il faut la réactualiser. Il faut la faire très souvent. Parce que la vision de Dieu te donne une image forte de l'avenir. Et la vision est toujours projetée vers l'avant. La vision voit toujours l'avenir. La vision est toujours ouverte vers l'avenir. Demain, quand je ne serai pas là, pour que la mission de Dieu dans ma vie continue, que faire? Il faut déjà préparer la relève. Il faut que la relève soit assumée. Nous allons prier, bien-aimés. Mais il faut apprendre à avoir une vision claire des choses. Parce qu'il est bon de vision. Une vision claire te permet de voir loin. Une vision bien élaborée, bien écrite, te communique une passion. Il est par exemple qui nous pousse à la croissance, qui nous aide à grandir. Tu dois grandir continuellement. Oh, il y a tant de vision pour toujours être en mouvement, à être en quête de mouvement, afin de pouvoir accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Quelle est la pensée de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de nous réellement? Alléluia, je prie que quelqu'un allait acclamer dans la maison. Alléluia. Je suis en train d'envoyer sur une personne. Je voudrais simplement que ce soir, que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Je voudrais simplement que ce soir, que tu réalises que Dieu attend de toi beaucoup de choses. Alléluia. Je voudrais simplement que tu sois, ce soir, que tu vives vraiment dans la cet amoureusement et que tu te rapproches encore davantage du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Que ta destinée est très importante. Ta destinée est la chose pour laquelle tu vis. Ne méprise pas l'œuvre de ta main. La Bible dit, l'œuvre de Dieu te bénira, oui, mais l'œuvre de tes mains te bénira aussi. Le travail que tu fais, c'est qu'il y a un, doit y accomplir beaucoup de projets de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu veux prier avec moi? Alléluia, mais là où tu es, commence à prier. Commence à prier. Je prie que tu demandes au Seigneur de t'aider à découvrir ton appel réellement. Alléluia. Élève ta voix, commence à prier maintenant. Élève ta voix, commence à prier avec moi. Élève ta voix, commence à prier avec moi. Dis, Seigneur, je vais découvrir mon appel. Va dans le livre de Jérémie 33, au verset 3. La Bible dit, invoque-moi, je vous révélerai, alléluia, des choses cachées, des vérités cachées, des réalités cachées, des choses que vous ne connaissez pas, les choses que vos yeux n'ont point vu, alléluia, vos oreilles n'ont point entendu, des choses qui ne sont voire même pas montées dans vos cœurs. Je suis capable de vous le révéler. Voilà pourquoi vous devez revenir à moi. Vous voulez sonder, vous devez revenir à moi. Alléluia, bien-aimé, lève ta voix, dis, Seigneur, sonde-moi. Seigneur, ouvre-moi les cœurs, ouvre-moi les yeux, que je comprenne, que je palpe, que je vive, que je voie. Alléluia, que j'aie accès à ces choses dans le nom puissant de Jésus. Les bros à Kasunta Kalaba, Maïnorobos Kantaraba Hanalaba Rebe, les bros à Scantorobos Chintalabre, El Rababa Sota Koriabos Kante, Mabres à Katundaraba Hanalaba Rebe, Melebres à Scantorobos Chintalabre, dans le nom puissant de Jésus. Ouvre davantage mon cœur pour que je m'applique, Seigneur, à cette mission auquel tu m'as appelé. Alléluia, bien-aimé, lève ta voix. Lève ta voix, bien-aimé, le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'attend là où tu es. Dieu t'attend. Jésus-Christ t'attend. Alléluia. Le Saint-Esprit t'attend. Le message au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Reba Baba Zakasota Koriya Moskante,
Que faire pour vivre pleinement sa destinée? Que faire pour vivre pleinement sa destinée? Qu'est-ce que tu dois faire pour vivre totalement sa destinée? Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et les vrais akasuta karia bosande. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Lolengeni ni na sala. Pona mona. Lolengeni ni na sala. Pona vivre. Oyo nzambe. Abongise langage. Alléluia. Et la baba. Il a dit à Jérémie, avant que je ne fusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà consacré. Et je t'avais établi prophète des nations. Prophète des nations. Bien-aimé, avant que tu ne sois né, je te connais déjà. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et avant de sortir au sein de ta mère, bien-aimé, je t'avais déjà consacré. Alléluia, bien-aimé, tu as été consacré à quelque chose. Dieu t'avait appelé pour un but donné, pour une mission donnée, pour un ministère donné. Voilà pourquoi tu dois saisir le Saint-Esprit. Dis non, révèle-moi les vérités cachées. Révèle-moi, aide-moi à sonder les profondeurs de Dieu ce soir. Aide-moi à sonder les profondeurs de Maître, afin que je puisse avoir accès à ce pourquoi j'ai été appelé, à mon appel, alléluia, à mon ministère, à ma mission, de manière précise, de manière claire et succincte. Dans le nom puissant de Jésus. Que la rabos cantarabashita la brée. Rende belebes cantorobos cantarababa. Que la brosas cantorobosita la brée. Rico soto coriabos canta. Mabosas cantarabashita la brée. Randabayabarabas cantorobosita la brée. Lenda bahande le behando robos cantarabashi. Linda bayando robos cantarabahi. Rab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 a. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Alléluia. Nous sommes en train de prier. Que le Saint-Esprit te révèle, te révèle, te révèle. Certainement, alléluia. C'est pourquoi tu as été destiné. Tu as été prédestiné. Quelle est la mission pour laquelle tu as été prédestiné? Quelles sont les choses qui ont été déclarées dans ta vie? Alléluia. Qu'est-ce qui a été conclu dans l'alliance? Alléluia. De la prédestination pour ton avenir. Afin que tu vives ces choses dans la destinée. Au nom puissant de Jésus. Afin que tu vives ces choses pleinement dans cette génération. Dans le nom puissant de Jésus. Et la bosse cantara machine à l'abri. Ma branda la basunda la bahando le bocan de l'ibaba. Et la posata coria boscan de l'iba. Et rinda bayako soto coria boscan de l'ababa. Et la maya baragas cantara basunta l'abri. Mandorobos cantorobos chinta l'abri. Vendorobos cantara bahanda la barrebre. Reves cantere de candele de yandorobo. Pour la baba 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 scantara babe. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Bien-aimé, la Bible dit, par les sueurs de notre front, nous mangerons notre pain. Alléluia. L'œuvre de ta main te bénira. Tu dois apprendre à bénir ton travail. Alléluia. Par les sueurs de ton front, tu mangeras ton pain. Alléluia.
Ton travail, tu dois le respecter. Ton travail, tu dois l'aimer. Parce que ce travail te dira à accomplir ta destinée. Alléluia. À vivre pleinement ta destinée. Ton travail, c'est les sueurs de ton front. C'est ton labeur. Ton salaire te représente toi. Parce que c'est les sueurs de ton front. Alors, lorsque tu l'as, tu dois savoir les savourer. Parce que tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis aussi pour le Seigneur. Et aussi pour accomplir la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tu vas commencer à bénir ton travail. Si tu n'as pas de travail, bien-aimé, tu vas commencer à prier pour que le Seigneur t'accorde le travail. Et lorsque le Seigneur te donnera le travail, alléluia, bien-aimé, pour que tu vives, pour que tu sers à Dieu, pour que tu bénéficies, tu contribues, que tu participes à l'avancement de son royaume. Élève ta voix, commence à bénir l'œuvre de tes mains. Bien-aimé, ne maudis pas ton travail, bénis ton travail. Bénis l'œuvre de tes mains. Alléluia. Fructifie par le sacrifice au nom puissant de Jésus. Tu es en train de bénir ton travail. Alléluia. Un des moyens bien-aimés pour pouvoir accomplir ta destinée. Si tu es médecin, bénis ton travail. Que le Seigneur continue à te donner l'intelligence qu'il faut. Les moyens qu'il faut. Afin que tu sois et tu vives dans la différence. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Alléluia. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Rebosa kasun talaba, santa laba. Mailos kantorobo, shintelebre. Erra mama mama skantaraba, shintelebre. Erra baba baba soto koria boskandi. Erra tamara mandeberebebe. Seigneur, bénis mon travail. Bénis mon lieu de travail. Bénis mes collègues, Seigneur. Alléluia. La Bible a dit que tous les foutent les plans de vos pieds, je vous les donne en possession. Oui, que le Seigneur te donne la possession de ces lieux de travail, de ton lieu de travail. Alléluia. Que tu domines dans ton lieu de travail, je vous les donne en possession. Que tu possèdes spirituellement, que tu possèdes moralement, que tu possèdes physiquement ces lieux, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que tu sois influent dans ton lieu de travail. Et que tu sois une source de bénédiction pour tes collègues de travail. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de prier avec moi. Ne t'arrête pas, tu continues de prier. Tu continues de prier. Alléluia. Continue de bénir ton lieu de travail. Continue de bénir l'œuvre de ta main. Dans le nom puissant de Jésus. Les brosas cantorobo shintalabe. Mayanta manamande bele 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 basanda. Eri baba 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 rabas cantoro boshinta laba bebe. Ora baba baba scantoro boshinta laba bebe. Yeke scantoro boscanta laba baba. Dans le nom de Jésus. 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 Era baba baba baskanta. Era mama 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 mama. Rindoro buscanto robo santa raba gente leve. Mandoro buscanto robo rinda bahanda barenda ba. Mabrosa kahonda raba sunda raba beka tinda raba. Randa mazuka tonda raba kande leve ya kasandi. Randoro buscanto leve ya bara baba baba. Remanda bara baba buscanto robo shinda raba leve. Mabrosas canto robo scanta raba baba. Era baba 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 baskante lebe skanto. Era mama 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 raba shante lebe. Lebo robo skanta raba yanda raba baba. Mando brosa skanto robo skante lebe rinde lebe. Lebo brosa skanto robo skanta raba baba. Mabrosa skanta raba sunta raba be. Lebo brosa skanta raba baba 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 baba. Ora baba 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 skanto robo shinte lebe. Ra ba 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 shanti. Ra ma 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 ma. Lendoro bus kantoro bus santa ra ba 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 ba. Ra nda ba ya ba ra ba 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 skanti. Ra ba skantoro bus kanti re ba 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 ba. Yandoro bus kanti re bus kanta ra ba 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 ba. Yanda manda ba ra ba 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 ba. Yanda ra ba 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 skanti re ba. Ra ba 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 skanti. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.
le rababa baskanto robo shita labre le kosoto koria boskanta raba rinda baraba hande le behanda raba shita labre o rababa baskanta raba henda raba mande breyas kanto robo shita labre e la kosoto koria boskanta rababa rama mama mama skonto robo skante lebe e rababa baba skonto robo skante lebe Lenderebes cantorobo santa rababa, rama mama 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 chandelebre, lebrosas cantorobo shita labre, lebeyakas cantorobo santa rababa, rababa baba 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 scanterebe, e rababa baba 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 chande, rabo baba 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 Renda robos canto robos shintelebe, rende lebes canto robos canterebe, raba ba 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 ba, lebe yas canto robos cantarababa, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, alléluia, bien aimé, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, tu es en train de prier, alléluia. Élève ta voix, tu es en train de prier avec moi. Et Rama Mama Maskantaraba Shintelebe Yakato. Lebos Kantorobo Santarababa. Et Rama Mama Skontorobo Skantelebe Santa. Rababa Baba 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 Baba. Et Yandorobos Kantorobo Shintelebe. Rabos Kanta Rababa Baba Sha. Et Nabarababosa Kantelebabos. Et Rama Maya Baraba Zukatarababosa. Et Rababa Baba. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Bien-aimés, nous sommes en train de prier. Tu vas prier pour ta famille maintenant. Tu vas prier pour ta maison. Tu vas prier pour tes enfants. Tu vas prier pour ta femme. Tu vas prier pour ton mari. Alléluia. Bien-aimés, une des raisons de notre vie, nous devons nous poser la question, pourquoi je vis? Pourquoi j'ai cette femme? Pourquoi j'ai ce mari? Pourquoi j'ai ce type d'enfant? Alléluia. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que Dieu fait en nous est a un but. Je t'ai dit tout à l'heure à l'introduction que ton mariage est un but. Tu as ce type de mariage parce que tu dois être certainement une solution ou une réponse pour un couple. Comprenez bien. Alléluia. Pourquoi tu as ce type de famille? Ne minimise pas ton genre de famille ou le type de famille que tu as. Ne regrette pas. Plutôt, consolide ta famille par la proximité du Saint-Esprit. Élève ta voix avec moi maintenant. Commence à bénir ta famille. Commence à bénir ta maison. Alléluia. Commence à bénir ta maison. Commence à rendre gloire à Dieu. Écoutez. Bien-aimé. Un des moyens pour que tu puisses vivre ta destinée, tu dois aimer ta maison, tu dois aimer ta famille, tu dois aimer ta femme, tu dois aimer ton mari sans condition, tu dois aimer tes enfants, tu dois les chérir, tu dois vivre avec eux, tu dois les supporter, alléluia, tu dois partager des bons moments avec eux. Élève ta voix, commence à prier pour ta maison. Commence à prier pour ta maison. Commence à prier pour ta maison. Commence à prier pour tes enfants dans le nom de Jésus. Lenda barabas cantara bashinta labre, rende bere 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 bas cantoro bo santa rababa, mabrosas cantoro bo shinte lebre, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, alléluia. Bien aimé, tu es en train de prier, tu pries pour ta famille, tu pries pour tes enfants, tu pries pour ta maison, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Si le Seigneur va donner ses maris, parce qu'il y a une raison. Dieu a toujours une raison. Et la raison de Dieu est toujours parfaite et toujours meilleure. Alléluia. Alors élève ta voix avec moi ce soir. Prie pour ton mari. Prends quelques minutes, prie pour ton mari. Bénis le Seigneur pour le mari qui t'a donné. Bénis le Seigneur pour la femme qui t'a donné. Bénis le Seigneur pour les enfants qui t'a donné. Quelle que soit leur qualité. Quelle que soit leur quantité, quel que soit, bien aimé, prends le temps de bénir. Si vous êtes fiancé, bénissez-vous les uns les autres. Bénis ta fiancée, bénis ton fiancé. Alléluia. Parce que c'est
Ma brosa katon na rabahan de lebre.
Le posata coria vos canta la babe, el andaba ya barabas canto robo sinte le bre, lenderebes canto robo ya barababa, mandebresas cantaraba sinte le bre. Je t'encourage, bien aimé, lève-toi, 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 lève-toi. Là où tu es, bas les mains. Là où tu es, bas les mains. Là où tu es, bas les mains. Continue à proclamer la victoire. Continue à proclamer la victoire. Continue à proclamer la victoire. La réussite à tous égards. Alléluia. Rebaba, 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 rebaba. Mambosa scanto, scantelebe. Vendelebe, scantaraba, suntalabe. Lepos contorobos, cantaraba, rebe. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, continue à prier le Seigneur. Continue à prier le Seigneur. Au nom de Jésus. Il nous manque souvent le temps de pouvoir bénir nos familles, bénir nos enfants, bénir nos maris, bénir nos femmes. Alléluia. Aujourd'hui, ce soir, l'occasion t'est accordée, bien-aimé. L'occasion t'est donnée pour que tu puisses bénir ta maison, pour que tu puisses bénir l'œuvre de ta main. Alléluia. Bénis ton travail, bénis ta maison, bénis ta famille, bénis ta femme, bénis tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Era baba 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 baskanto bushita la bri. Iranda baba 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 shani. Ira mama mama skanta rabasunta rabasunta terebe. Lebe sata kuru buskanta rababa. Mande bere beskanta rababa. Mande bere bere beskanta rababa. Iranda baya baba 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 rababa. Bien aimé, alléluia. Bénis ta famille, bénis ta famille, bénis ta famille. Au nom de Jésus, et les Breya Castatorobo, et les Breya Castatorobo, libre Sakatun de l'Ebre, Makadon à la Vasun de l'Ebre, les Kasun à la Varan de l'Ebre, Mandorobos Cantorobo, et les Bescan Tarababa, et les Breyandorobos Cantorobo, Sinta la Babé, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, et Rababa, Rababa Scanti, Rababa Scanti. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Mais non simplement tu pries pour ta famille, tu pries aussi pour ton voisinage. Alléluia. Pourquoi tu es dans ces coins? Est-ce que tu as déjà posé la question? Seigneur, pourquoi tu m'as amené dans ces coins? Quelle est ma raison d'être dans cette commune, dans cette contrée, dans ce pays, dans cette nation? Alléluia. Quelle est ma raison d'être? Commence à te poser la question. Maintenant, tu vas commencer à bénir les lieux où le Seigneur t'a établi. Alléluia. Tu vas bénir ton environnement, tu vas bénir ton quartier. Tu vas commencer à bénir, bien-aimé, tes voisins, dans le nom puissant de Jésus. Commencez à bénir maintenant. Alléluia. Élève ta voix, bien-aimé. Parfois, nous n'avons pas le temps de prier pour nos voisins. Bien-aimé, ce n'est pas par hasard que Dieu t'amène dans un coin. Ce n'est pas par hasard que Dieu t'amène dans un quartier. Parce qu'il y a un besoin quelque part des yeux. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix, prie le Seigneur. Je suis en train de venir au Garden. Je suis en train de venir au Garden. Je suis en train de chasser tout les ténèbres qui environnent ces contrées dans le nom puissant de Jésus. Mais parce que nous sommes établis dans cette contrée, parce que nous sommes établis dans ces coins du pays, papa, que ce coin soit béni, que ce quartier soit réellement béni. Dans le nom puissant de Jésus, je bénis les habitants de ces quartiers. Je le fais un jour jusqu'au plus meilleur, au plus vieux de cette économie et de cette génération. Dans le nom puissant de Jésus, je leur bénis et les déclare de bonnes paroles pour lui. Alléluia. Quiconque nouvelle le mal, alléluia, bien, que l'amour que nous portons, que nous leur apportons, Seigneur, soit notre défenseur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu vas maintenant prier le Seigneur pour ton ministère. Si tu connais déjà ton ministère, si tu y travailles déjà, quelles que soient les tâches que tu occupes dans ton assemblée et dans l'église tout entière, tu vas commencer à prier et à bénir cela. Tu vas demander que le Seigneur te fortifie davantage, que le Seigneur te donne une onction particulière, afin que ta connaissance et ton intelligence croissent encore. Que le Seigneur te fortifie, afin que tu puisses pouvoir tenir aussi longtemps et résister aux vents et marées de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus, bien-aimé, élève ta voix. Commence à prier pour ton ministère. Commence à prier pour tes responsabilités à l'église. Commence à prier, alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, prie. Si tu es pasteur, si tu es apôtre, si tu es général, si tu es prophète, évangéliste, docteur, si tu es diacre, si tu es ancien évêque, bishop, alléluia. Que le Seigneur te oigne encore davantage. Alléluia. Que l'onction royale soit posée sur ta tête. L'onction royale soit posée sur ta tête. Que l'onction royale soit déposée sur ta tête. Alléluia. Bien-aimé, demande le renouvellement. L'onction fraîche sur toi. Alléluia. Afin que tu puisses, bien-aimé, continuer à accomplir l'œuvre de Dieu avec succès, avec amour, avec détermination, avec passion, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et rabababababaskanto. Et rabababababaskante. Et rabababababashitakurabu. Et rabosakaskanto roboshita labre. Mando rabababaskanta rabashita labre. Et la posoto koria boskanta labre. Rinda baya barababa. Rinda baya barababre. Malabros kanta labros kante lababri. Rinda skolta lababros kante lebre. Yakasa katere. Et rabababababaskanto roboshita lebre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous sommes en train de prier, bien-aimés. Nous sommes en train de prier. Ne t'arrête pas. Lève tes yeux à la croix. Ne t'arrête pas. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci. Bien-aimés, le Saint-Esprit est là. La Bible dit ceci. Un seul esprit, mais diversité des dons. Un seul et même esprit qui distribue des dons à qui il veut. Tu vas demander Dieu dans sa souveraineté. Bien-aimé, parce que lorsque nous parlons de la destinée et de la prédestinée, il s'agit aussi de la souveraineté de Dieu. Nous voulons que le Seigneur t'accorde un don parfait, un don selon la mesure de grâce, mais dans sa souveraineté. Alléluia. Peut-être que tu aspires d'autres dons. Peut-être que tu aspires un don spécifique. Tu vas élever ta voix maintenant. Tu vas commencer à prier, bien-aimé. Alléluia. Élève ta voix.
maintenant. Élève ta voix, commence à prier maintenant. Alléluia. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Alléluia. Élève ta voix, tu es en train de prier le Seigneur. Tu es en train de prier le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Lebo sakatu rababas kantarabashita labri. O ramama mama yeberebes kantorobo shita lababri. Lego skantorobo shintelebri. Yakatunda malababo skantarababoshi. E yandarababa yandarababa malabro zakatanda rabababababa. Alléluia. Bien aimé, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Il nous reste encore 20 minutes. Continue de prier. Continue de prier là où tu es, bien aimé. Élève ta voix, continue d'implorer Dieu. Continue d'implorer Dieu. Continue d'implorer Dieu dans le nom de Jésus. Ma brosa scantara bahanda la bahike. E la casoto coria boscanta. E la mama chende brenenenene. Le casoto coro boscanta la babre. Dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Yesu yonde kolo. Yesu yonde kolo. Yes, yonde molo beni. Yonde mo kundeni. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Rabababababaskanta. Ira mama 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 mama. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous voulons prier. Nous voulons prier pour que tu vives dans la proximité du Saint-Esprit. Une des clés pour vivre pleinement ta destinée. Tu dois demeurer près du Saint-Esprit. Tu dois prier maintenant pour que le Saint-Esprit t'aide à vivre dans sa proximité. Dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix. Tu commences à prier maintenant. Tu es en train de prier. Élève ta voix. Tu es en train de prier. Alléluia. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier, bien-aimé. Tu es en train de prier. Alléluia. Alléluia. Que le Saint-Esprit t'aide à vivre dans sa proximité. Que tu vives dans la proximité du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je veux demeurer près de ton esprit. Je veux demeurer attaché à ton esprit. Je veux demeurer accroché à ton esprit. Cher Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à m'accrocher à toi. Aide-moi à m'accrocher à toi. Alléluia. Que je vive près de toi. Alléluia. Que je m'accroche à toi. L'esprit de gloire. L'esprit de force. L'esprit de puissance. Dans le nom de Jésus. 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 Bien-aimé, essaie, continue de prier. Demandez à ce que tu vives dans la proximité du Saint-Esprit. C'est lui le guide. C'est lui qui va t'éclairer. C'est lui qui va te conduire. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. Peut-être que tu as abandonné le Saint-Esprit. Peut-être que tu as laissé la vie des prières. Alléluia. Bien-aimé, nécessite, implore la proximité du Saint-Esprit. Que tu vives proche, accroché du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Rebababaskantaraba. Rabdoborobuskantelebre. Rindabayaka santo robuskantarabahinarababre. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes en train de prier. Nous saluons la présence de notre frère, papa Blaise, mon amant. Que Dieu te bénisse, papa. Alléluia. Bien-aimé, nous voulons prier.
un des moyens, de pouvoir vivre pleinement sa destinée, tu dois te focaliser à Jésus. Focalise-toi à Jésus. Bien-aimé, tu es tellement embrouillé, tu es tellement entouré de choses. Alléluia. Alléluia. Tu es tellement entouré de choses. Tu as besoin de t'accrocher au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, garde tes yeux fixés à Jésus-Christ, à la croix du salut, afin de pouvoir conserver la vie. Tu as besoin, bien-aimé, de te focaliser à Christ. Tu suis beaucoup de choses à la fois. Tu regardes beaucoup de choses à la fois. Tu suis beaucoup de maîtres à la fois. Beaucoup de chemins. Toi seul. Essaie de te discipliner en te focalisant sur Christ. Alors maintenant, ce soir, nous allons prier. De manière à ce que tu demandes au Seigneur de te soutenir par son esprit. Afin que toute ta vie, tout ton être, toute ton existence, ton regard, ton langage, tu sois focalisé à Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, bien-aimé, nous sommes en train de prier. Ne te fatigue pas, ne te fatigue pas. Lève ta voix, tu es en train de prier le Seigneur avec moi. Dans le nom puissant de Jésus. Car tu as mis toujours une personne. Mailos Kantarabashi Telebreza Katundaraba. Makatundaraba Kadelebreya Katundelebre. Rabababa Sota Puria Moskanta Labre. Ramamamamamaskantaraba Kandelebreya Barababa. Rabababa Maskaturu Shazi. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-moi à me focaliser sur toi. Oh Seigneur, donne-moi à m'approcher à toi. Donne-moi à m'agripper à toi, Seigneur Jésus-Christ. J'ai besoin de toi, mon Dieu, mon roi. J'ai besoin de toi, le Seigneur de gloire. J'ai besoin de toi, le Seigneur des Seigneurs. J'ai besoin de toi, mon papa. J'ai besoin de toi, mon maître. J'ai besoin de toi, ma victoire. Oh Yahweh, élève ta main, Seigneur. Élève-toi, élève-toi dans ma vie. Et relève-toi, papa. Soutiens-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à m'agripper à toi, à m'accrocher à toi. Je n'ai que toi, Jésus. Alléluia. Mais dites-le-lui. Rappelle-le-lui. Dis, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Et j'aimerais que tu sois le seul maître de ma vie. La seule personne qui dirige ma vie. Alléluia. Au nom de Jésus. Mais lève ta voix. Tu es en train de prier le Seigneur. Accroche-toi encore. Encore et encore. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, patiente. Alléluia, faites cet exercice. Nous sommes en train de chuter petit à petit. Mais j'aimerais que tu pries avec moi. Je t'ai dit tout à l'heure, lorsque tu t'accroches au Saint-Esprit, il sera ta direction. Alléluia. Pour voir clair dans ta vision, dans le but de ta vie, tu as besoin d'avoir aussi une vision claire. Or, pour avoir une vision claire, tu dois te laisser diriger par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu dois apprendre ou tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Un des moyens pour vivre pleinement ta destinée, laisse-toi conduire par son esprit. Nous avons vu ensemble dans Romains 8, verset 14, la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, sont déclarés fils de Dieu. Mais un enfant qui a ou dans le main a et chez le papa ne perd pas son chemin. Parce que c'est les parents qui sont des boussoles, qui montrent le chemin. Alors lorsque tu te laisses conduire par le Saint-Esprit comme une boussole, tu ne te perdras pas. Tu ne seras jamais dans la confusion. Voilà pourquoi je mérite bien aimé que tu te lèves. Et que tu dis, cher Saint-Esprit, sois la boussole de ma vie. Sois la direction. Soit l'orientateur, soit devant, soit derrière, soit en dessous, soit en dessous. Conduis-moi selon le bon vouloir du Père. Conduis-moi comme toi tu veux, dans ta souveraineté. Montre-moi le chemin. Alléluia. Bénédicte Dieu Saint-Esprit, montre-moi le chemin. Je m'abandonne à toi. Montre-moi le chemin. Je m'abandonne à toi. Ô Esprit de Dieu, ô Esprit de gloire, ô Esprit de force, montre-moi le chemin. Je m'abandonne à toi. Alléluia. Bénédicte, élève ta voix. Tu es en train de prier. Jésus conduit. Rababa Baskantorobo Shintalabre.
Malabos Kantaraba Feke Terebre Halabo. Alléluia. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier pour que la mission de Dieu en toi soit exécutée selon son plan. Alléluia. Que le Seigneur te donne la force. Que le Seigneur te donne l'intelligence et la sagesse surtout de pouvoir veiller sur cette vision. La capacité de bien élaborer cette vision, de bien entourer cette vision de personnes capables. Alléluia. Des personnes indignes, bien-aimées, que le Seigneur envoie en toi, vers toi, des personnes sauvées, des personnes disponibles à pouvoir participer à la réalisation de cette vision. Parce que la vision te donnera l'orientation. La vision te permettra de survivre parce que tu dois devoir vivre en fonction de cette vision. La vision te communiquera une passion. Mais laisse-moi te dire, sois choqué, mais laisse-moi te dire que moi je suis passionné de l'œuvre de Dieu. Amen. J'ai la passion parce que j'ai compris la mission de Dieu dans ma vie. Alléluia. Et lorsqu'il a élaboré les objectifs, c'est-à-dire ce que moi j'appelle la vision, le moyen pour pouvoir atteindre ou accomplir cette mission, je deviens passionné. Alléluia. La mission, la vision te mettra chaque fois en mouvement. Tu seras tout le temps en mouvance. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix et prier, bien-aimé. Ça sera notre dernier point de prière. Alléluia, élève ta voix. Dis que le Seigneur te donne la force. La force pour que tu puisses savoir comment accomplir cette vision. Alléluia. Bien-aimé, lève ta voix, tu es en train de prier. Élève ta voix, tu es en train de prier. C'est notre dernier point de prière. Alléluia, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, tu es en train de prier. Oh, Rabababas, Kantoro, Moshita, Labré, dans le nom de Jésus, alléluia. C'est pourquoi tu m'as envoyé sur terre, je te prie, Père, que j'ai une compréhension claire, ô Éternel, de cette mission auquel tu m'as appelé. Oh, je te prie, Père Éternel, fais-le pour la gloire de ton saint nom. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, élève ta voix, continue de prier. Que le Seigneur t'aide à pouvoir savoir comment continuer cette vision. Que le Seigneur t'aide à pouvoir continuer cette vision. Alléluia. Qu'il t'ouvre les yeux afin que tu voies le merveille dans sa loi. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie chaque jour. Que tu alimentes cette vision. Que tu amélises cette vision. Que tu couvres, que tu décores cette vision. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen, 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 amen. Alléluia. Acclame le Seigneur, bien-aimé, là où tu es. Acclame le Seigneur. Nous allons nous arrêter là, bien-aimé. Alléluia. Nous avons encore rendez-vous demain. Demain, tôt le matin, à 5h du matin, nous sommes là devant le trône de Dieu. De 5h à 6h, bien-aimé, nous avons rendez-vous pour ce moment de bénédiction. Nous saluons tous les enfants de Dieu présents en ce lieu. Tous les ouvriers de Dieu, tous les serviteurs de Dieu qui se sont joints à nous, qui se sont connectés pour que nous puissions ensemble prier. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui sont partis. Alléluia. Et ceux qui sont restés, vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans une saison où nous sommes en train de prier et jeûner pendant 21 jours. Et le thème que le Seigneur nous a inspiré, c'est reprogrammer notre destinée à partir de notre prédestinée. Bien-aimé, il y a tellement de choses à apprendre sur notre vie, des choses à apprendre sur nos familles, sur nos enfants, sur nos épouses et nos maris. Mais nous avons une seule personne qui connaît réellement nos vies. Une seule personne qui a été destinée à cela. C'est la personne du Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui connaît ce qui est caché. Alors, la seule manière pour nous de pouvoir connaître ce qui est caché, c'est que nous puissions nous attacher à lui.
Et lui nous conduira dans les profondeurs de la vérité et de la connaissance. Il nous aidera à sonder les profondeurs de Dieu. Afin que ce qui avait été écrit depuis l'éternité nous soit révélé. Parce que la prédestination, c'est l'élection de Dieu. L'élection, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu élit tout comme aujourd'hui par le Saint-Esprit. Il fait grâce à qui il veut. Il donne les dons selon son bon vouloir. Voilà pourquoi j'aimerais bien t'encourager, bien-aimé, à pouvoir saisir. Vous voyez, je ne parle pas du diable, mais je parle de toi et de ta vie. Nous saluons la présence de l'homme de Dieu. Alléluia. Le révérend Geoffroy Dynamis, depuis Bénin, hein, à côté de nous, nous te saluons, papa. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Soyez bénis, homme de Dieu. Vous voyez, nous sommes suivis de partout. Nos frères qui sont partout, si nous puissions tous soutenir ce travail, nous finissons ce travail le mardi. Je te demande de te connecter de 5h à 6h du matin et le soir de 20h à 22h. Nous avons aussi une session de 16h à 17h. 1h le matin, 1h l'après-midi et 2h le soir pour que nous puissions atteindre vraiment un nombre plus élargi de familles, pour que beaucoup de familles puissent être bénies. Le Seigneur a besoin de toi, bien-aimé du ciel. Sors un peu de ton sommeil parce que tu dors trop. La vie que tu mènes aujourd'hui, ce n'est pas peut-être, c'est cette vie-là qui a été prédestinée pour toi. Le Seigneur avait prévu autre chose, mais les cours de vie ont fait que tu expérimentes aussi autre chose. Voilà pourquoi je t'en conjure, par l'amour du Saint-Esprit, de continuer à veiller sur ta vie, de continuer à travailler sur ta destinée. Mais pour travailler, tu dois devoir t'associer au Saint-Esprit. Tu vas devoir te focaliser à Christ. Tu vas devoir comprendre les raisons de ton existence. Pourquoi tu es réellement né? Ce sont des prières pour lesquelles nous avons prié. Pourquoi tu es né dans telle ou dans telle famille? Pourquoi tu as tel ou tel mari? Pourquoi tu as un type d'enfant, tel ou tel enfant? Tout c'est dans le plan de Dieu. Dans sa souveraineté. Vraiment, je t'encourage. Je t'encourage et je te dis amplement merci. Merci pour la disponibilité. Merci pour le temps. Alléluia. Merci vraiment pour le temps que tu consentes à pouvoir partager ces moments avec nous. Continue à travailler pour nos vies. Continue à travailler pour notre appel. Mais quand tu comprends l'appel de Dieu dans ta vie, tu seras prêt maintenant à exécuter le plan de Dieu. Parce qu'il y a un peuple quelque part qui t'attend. Parce que tu as reçu la mission. Dans la mission, il y a la vision. Tu as reçu un message de Dieu pour pouvoir aller les décortiquer, pour pouvoir aller les répondre dans une famille en détresse. Dans un pays en détresse. La Bible a dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Vous voyez, tu es la réponse à leur cri. Lorsqu'ils crient au Seigneur, le Seigneur te manifeste. Tu es le prophète dans cette génération pour cette contrée. Alors, tu dois devoir demander au Saint-Esprit, c'est quoi ma contrée? Dans quelle localisation que tu m'avais envoyé? Alléluia. Amen, amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons été bénis de votre participation. Je vous attends demain à 5h du matin, selon la mesure de grâce que le Saint-Esprit vous accordera. Alléluia. Et demain, ceux de la Nouvelle Bergerie, soyons à l'église. Soyons vraiment à l'église, soyons nombreux. De 10h à 13h, nous sommes là. Et mardi, nous finirons notre programme justement à l'église. Ça sera important que tout le monde soit présent. Il y a des choses que nous pouvons faire, mais nous ne pouvons le faire qu'à l'église. Nous avons besoin de prier pour les gens. Nous avons besoin de faire le service. Alors, il est important pour que toi, tu puisses être là. Vraiment, que la paix du Seigneur soit ton partage. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse l'œuvre de ta main. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse ta femme. Que Dieu bénisse ton mari. Que Dieu bénisse tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse ton ministère. Les églises pour lesquelles le Seigneur t'a établi évêque.
Que Dieu bénisse les brebis dans les églises, que les troupeaux que vous conduisez, dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous multiplie encore. Que la faveur de Dieu soit votre partage. Et que vous allez de grâce en grâce, de gloire en gloire, de puissance en puissance, dans le nom puissant de Jésus. Affecte cette génération par la parole qui sauve. Je vous dis shalom, shalom, shalom. Je vous donne rendez-vous demain matin à 5h du matin. Je vous donne rendez-vous lundi à 5h du matin, lundi à 16h et surtout lundi à 20h. Soyez présents dans ces rendez-vous et que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue, vous toutes de partout, de la France, de la Suisse, du Bénin, du Gabon, du Congo, de l'Allemagne, partout où vous soyez, soyez richement bénis. De l'Angleterre, de l'Ouganda, nos amis de l'Ouganda ne manquent pas. Que Dieu vous bénisse. De Pakistan, que Dieu vous bénisse. Partout où nos succursales sont installées, vous qui nous suivez, même dans les Maghreb, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Ce portail est pour vous. Cette chaîne de télévision est pour vous. Si le Seigneur te révèle un message, appelle-nous. Tu veux passer, parler de la part du Seigneur, car la Bible dit, nous devons trouver n'importe quel moyen pour pouvoir annoncer la bonne évangile. Papa Blaise, la chaîne de télévision est là. Si le Seigneur t'inspire un message, viens nous voir. Homme de Dieu, apôtre Geoffroy, Joël Dynamis, que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes ravis de ta présence. Ta chaîne de télévision est là. Si le Seigneur t'accorde grâce pour pouvoir apporter un message, tu remplis les mégas depuis la Cotonou, depuis Benin. Tu vas nous bénir en direct de cette télévision. Nous allons voler tes liens. Les liens, tu vas rentrer directement dans la connexion du régie et tu vas être publié directement dans la télévision afin que les gens soient bénis, afin que le peuple au Bénin soit béni. Nous allons réitérer notre rendez-vous de Cotonou bientôt. Alléluia, ça va se réaliser. Alléluia, soyez richement bénis. Je salue tous les enfants de la bergerie. Maman José, je salue. Il y a Giovanni, je salue mon fils Chris, Christian. Baguette, alléluia, les drummers. Je salue Julza, Azmat. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Papa Blaise, Pakwango, mon ama, soyez bénis. Alléluia. Tous les gens de Gabon, soyez bénis, soyez bénis. Maman Bella, Alegria, depuis Turin. Maman Bella, Gonsalves, la prophétesse, depuis Cologne, Brûle. Soyez richement bénis. Tous ceux qui nous suivent depuis la Suisse, encore ce soir, soyez bénis. La France, soyez bénis. Prophète, bienvenue. Merci pour ta participation et pour ton amour. Alléluia. Pasteur Jean-Pierre Makima, depuis Bedford. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et tous ceux qui nous suivent depuis Londres, que Dieu vous bénisse aussi. Amen, amen. La liste est tellement exhaustive. On ne saura pas citer tout le monde, mais laisse que la paix et la joie du Seigneur soient votre partage. Et nous avons rendez-vous tout à l'heure à 5h du matin. Je vous dis shalom, 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 alléluia. Merci Seigneur, au nom de Jésus, alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus, alléluia. Merci Seigneur de nous accepter Seigneur dans ta présence. Heureux celui que tu admets et que tu acceptes dans sa présence Seigneur. Nous voulons contempler les merveilles dans ta loi et dans ta gloire. Jésus, oh, 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 oh. Yahweh, Yahweh. Alléluia. L'honneur, la gloire, la majesté à toi. L'honneur, la gloire, la majesté à toi. Fils, tout ce qui est à moi, c'est à toi. Alléluia. Tu n'as qu'à comprendre que non, tu es l'héritier. Yes. Le testament est déjà là. Alléluia. Le testataire est déjà mort. C'est-à-dire que le testament est rentré. Yes. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu comprends.
Jésus a rétorqué à ces gens. La Bible dit, Jésus a regardé cette femme. Le regard du maître. Alléluia. Non, nous servons un Dieu qui se laisse toucher. Nous servons un Dieu qui se laisse tremper. Souvenez-vous de la femme à la perte de ça. Cette femme ne fait que perdre du sang. La Bible dit qu'il habite toute forme de docteur. On suppose que c'était une femme avec des moyens, une femme riche. Alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes les choses. Tu étais, tu es et tu seras l'agneau de Dieu qui est dit de ma louange. L'agneau de Dieu qui est dit de ma louange. L'agneau de Dieu qui est dit. Du ciel sur la terre, me réconciliant avec le Père, en bâtissant le plein de grâce, afin que je vive devant sa face. Béni du ciel et sur la terre, me réconciliant avec le Père, en bâtissant et plein de grâce, afin que je vive devant sa face. Ah, ah, ah. Par ta mort, moi j'ai la vie. Par ta vie, moi j'ai la grâce. Car ton sang m'a racheté de la mort et du péché. Par ta mort, moi j'ai la vie. Par ta vie, moi j'ai la grâce. Car ton sang m'a racheté de la mort et du péché. Oh, oh, oh. Ta grâce dans ma vie surabonde. Lorsque moi ton amour déborde, qui m'introduise dans ta plénitude, quand moi paraît ton attitude. Ta grâce dans ma vie surabonde. Lorsque moi ton amour déborde, qui m'introduise dans ta plénitude, quand moi paraît ton attitude. Oh, 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 oh. Tu étais avant le monde, tu as vécu dans ces mondes, tu seras après les mondes, ton règne est éternel. Tu étais avant le monde, tu as vécu dans ces mondes, tu seras après les mondes, ton règne est éternel. Alléluia, 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 ton règne est éternel. Alléluia, 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 ton règne est éternel. Oh, ton règne est éternel, ton règne est éternel. Oh yeah. Ton règne est éternel. Alléluia. L'honneur, la gloire à toi, notre majesté. Toi qui règne génération.
His use and his value to you and to your kingdom and to your agenda on earth. Why
must he be the Masuala thesis? Who can be a man the Vanda Kulas? We are Padei Katum, Aladi Amaduka Wala Hasiate, Iko Dawala Hasika Madahandia. Yesu Katabaha, Ilavaka Futu Bituli.